Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous accorder son soutien dans nos efforts pour le suivre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, amenant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a fait aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ, pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Ensemble, nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie, dans la maison du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon Dieu, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Le mal est une réalité absurde. Et bien des gens, d'ailleurs, refusent d'adhérer à la foi chrétienne parce qu'ils considèrent qu'un Dieu tout-puissant, qui aime sa création, ne devrait pas tolérer la souffrance qui l'habite, ce monde. Bon, il y a un certain mal qui s'explique. Par exemple, actuellement, en Syrie, c'est la volonté, c'est des affrontements entre des groupes et la volonté d'un dictateur de détruire son pays. Et à ce moment-là, le péché explique ses souffrances, péché d'orgueil, péché de volonté, de puissance. Mais, et c'est dans ce cas-là que la phrase de Jésus sur l'urgence de se convertir s'applique. Apprendre pour nous d'abord, avant de l'appliquer aux autres. Par contre, certains malheurs sont inexplicables, comme par exemple la tour de Jérusalem qui tue 18 personnes, ou bien des ouragans, ou une épidémie. Et dans ces cas-là, on doit écarter l'hypothèse courante, surtout à l'époque, selon laquelle un malheur était une conséquence du péché.
Dieu ne punit pas ses enfants. De nos jours, nous avons une façon plus subtile de dire ça. Qu'une personne soit frappée par le malheur, on va des fois dire « Oh, elle s'est mal conduite, il n'aurait pas dû se trouver là, elle a couru après, ou il a couru après. » Mais Jésus, lui, emprunte une autre voie et exprime plutôt l'urgence de la conversion. L'accident qu'il évoque révèle seulement la fragilité de la condition humaine. Et la conscience de cette fragilité devrait nous inciter à prendre sans hésiter le chemin de la foi. D'ailleurs, Jésus, torturé et crucifié, a assumé la souffrance inhérente à la condition humaine. Et la résurrection montre que le mal peut être vaincu. Le Christ n'a pas éliminé le mal, mais il a indiqué comment ne pas rester prisonnier de la souffrance. Le frère André, quand les gens venaient le voir, leur disait « Priez avant tout pour accepter la volonté de Dieu sur vous. Si sa volonté est de vous guérir, remerciez-le. Si telle n'est pas sa volonté, demandez-lui la force de vivre avec votre maladie. » Alors, durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce de la conversion. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les personnes que tu as sauvées par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous fais partager la vie qu'il possède en plénitude.
Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de la croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura une personne en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Suivons sans hésiter la route de l'Évangile. Allez dans la joie et dans la paix de Christ. Amen.